Accroche au poignet de devant ou pas ? Non ! Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous accueillons au Silo pour une émission spéciale sur les bons plans de l'été à Verneuil. Au programme, les événements, les visites à ne pas manquer, les expos et même l'une des plus grandes chasses au trésor du monde. Mais pour commencer, comment s'annonce cet été 2020 ? Réponse avec le reportage de Camélia. Pourquoi je n'ai pas autorisé le feu d'artifice ? Parce que le feu d'artifice, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oui. Voilà. On est tous là, autour du rond-point. Et une fois qu'il est terminé, on prend, hop, l'avenue, tous on part vers la place de la Madeleine, et pour assister au bal, ou alors certains vont chercher leur voiture et partent. Bon. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une foule énorme. Voilà. Donc là, ça ne nous paraissait pas raisonnable, à cause du virus, d'organiser le feu d'artifice. Mais bonne nouvelle, le feu d'artifice sera organisé lors de la fête foraine d'octobre. Alors le 14 juillet à Verneuil, on va juste, les élus, les gendarmes, les pompiers, on va se retrouver devant l'arsenal pour rendre hommage à nos forces de sécurité. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on fait cette année. Ça, le 14 juillet, c'est la ville qui l'organise. Le 15 août, c'est une association. Et l'association qui donc organise le 15 août a décidé cette année de l'annuler. Au mois d'août, à Verneuil, il y a trois grands événements. Le premier événement, c'est les lutins. Et là, l'association, et moi je comprends tout à fait, vu le contexte, l'a annulé. Après, il y a le Festival franco-québécois. Le Festival franco-québécois, lui, aura lieu. C'est la deuxième quinzaine d'août. Et les petites mains symphoniques. Alors, la bonne nouvelle qu'on peut annoncer, là, on se coupe. Il y aura un concert d'ouverture de l'Académie des petites mains symphoniques à l'église de la Madeleine. Et comme pour le feu d'artifice, je n'étais pas d'accord pour qu'il y ait le concert final sur la place de la Madeleine. Mais il y aura un concert de clôture, il y aura même deux, parce que pour diviser le nombre de personnes, avec un maximum de 800 personnes, à l'entrée dans la cour de l'abbaye Saint-Nicolas. Malgré les annulations, l'Office du tourisme vous propose de nombreuses visites à ne pas manquer. Nos reporters sont allés chercher les bons plans. La meilleure façon de découvrir Verneuil, c'est de venir à la Tour Grise, de grimper au chemin de ronde et de voir tout Verneuil à 360 degrés. Ce qu'on peut découvrir à Verneuil, c'est son extraordinaire patrimoine matériel et immatériel, parce que Verneuil est occupé, on va dire, depuis au moins 500 000 ans, et donc il y a plein de belles choses à voir, à découvrir, et il faut simplement ouvrir les yeux. Tout le monde s'est un petit peu bougé pour préparer un été très festif. Nous organisons un certain nombre de visites guidées sur toute la saison estivale, donc pour tout public également. On pourra découvrir le centre historique par exemple, qui, vous le savez peut-être, est classé plus beau des Tours de France. Voilà, l'un des 100 plus beaux des Tours de France. Et à la Tour Grise, cette année, on présente pour la première fois une collection archéologique qui s'appelle Trésor de la bataille oubliée. Donc on présente une collection d'objets authentiques qui ont donc un peu plus de 600 ans et qui viennent de la bataille de Verneuil. On propose aussi des visites ludiques pour les familles. Donc visite du centre historique qui s'appelle Sur les traces des habitants du Moyen-Âge. Voilà, donc sous forme d'enquête, tout en respectant les consignes sanitaires, les enfants pourront se balader et jouer les enquêteurs en fait, avec le guide. La force de Verneuil, c'est son patrimoine et sa beauté. D'abord, Verneuil, c'est beau. Partout où tu te promènes, tu regardes en l'air, en bas, partout c'est beau, c'est harmonieux, et c'est une belle ville, c'est un endroit beau, et quand on vit dans un bel endroit, on a bien de la chance. En plus des visites du patrimoine, de nombreuses manifestations culturelles sont proposées.
Quelles expos pourront voir donc les touristes cet été? Regardez. Ils vont pouvoir trouver une exposition sous forme de circuit que présentait Perrine Guignard du club photo du Philo. Il y a une deuxième balade qui va être mise en place par la MJC avec les jeunes. Ensuite, ils pourront, à partir du mois d'août, venir à Saint-Laurent, l'exposition à Saint-Laurent en extérieur, qui réunira et de la photo et de la peinture. Ça, c'est pour les expositions. Ensuite, celle de Collecte Art aussi, qui aura normalement lieu à partir du mois d'août, sur les vitrines de Verneuil, mais aussi sur l'avenue de la Gare, aussi en extérieur. Et après, on va faire des petites bulles d'été, ce qu'on appelle les bulles d'été, en fait, c'est des petits rendez-vous dans les quartiers. Donc, puisqu'on ne pouvait pas faire en intérieur, on a décidé d'aller dans Verneuil, dans plusieurs endroits dont on n'avait pas l'habitude d'aller. Derrière le quartier de Vlaminck, l'arc-quartier à Suspillon, là on était dans une résidence de personnes âgées, en mois d'août on ira dans les deux autres en fait aussi, toujours en extérieur, toujours pouvoir voir le spectacle de sa fenêtre aussi, c'était le but. Donc il y a du théâtre, du spectacle sans parole, de la danse, de la musique, il y a un concert par exemple place Saint-Jean le 31 juillet, donc ça c'est vraiment ouvert à tout le monde, du quartier ou non, et puis deux spectacles pour enfants, pour jeunes publics, avec Paquita et une autre collègue à elle. Donc au niveau de juillet, on a fait à chaque fois des événements en juillet, à peu près les mêmes en août, pour que les gens puissent profiter des deux mois. Donc il y a un spectacle aussi pour la jeunesse au parc Fougère en juillet, au parc de la mairie en août. Deux semaines de ludothèque en juillet et en août. La ludothèque donc, qui réunit la Ludotiton avec des jeux extérieurs, aussi toujours en extérieur. Donc la semaine de juillet, fin juillet, ça sera devant l'espace Saint-Laurent. Comme ça, s'il ne fait pas beau, on peut rentrer dans l'espace Saint-Laurent. Et en août, ça sera dans la cour de la médiathèque. Donc, tout est gratuit et tout est visible par tout le monde. Et puis à la fin, on clôturera l'été, en fait, l'été scolaire, le 30 août avec une après-midi poésie sur les promenades en extérieur toujours. Le dimanche 30 août, pour tout le monde, pareil, touristes et habitants de Verneuil et autres. Le cinéma, quant à lui, rouvre ses portes, mais il faudra attendre cet automne pour revoir des concerts au Silo. Un reportage d'Aurore. Les événements, nous, ont été stoppés, les concerts. Et la majorité des dates qu'on avait prévues de mars à juin, on a réussi à les reporter sur septembre-décembre. Donc ça, on est très contents pour le coup de pouvoir retrouver ces artistes-là à la rentrée. Pour ce qui est du festival, on avait préparé une programmation, donc ça ne peut pas avoir lieu là, mais c'est pareil, on a contacté tout le monde pour qu'en 2021, on puisse retrouver les mêmes artistes. Voilà, on est quand même majoritairement sur du report de dates et en plus on aura quelques petites nouveautés sur septembre-décembre, voilà, des concerts qu'on ajoute en plus. Et on a repris par contre au fur et à mesure certaines activités, par exemple les répétitions des groupes de musique, l'escalade. Ça reprend petit à petit, après avec un protocole sanitaire très défini. Et après sur les temps un peu plus creux, on en a profité pour faire un petit peu de travaux, de rénovation. On a repeint le bar, on a... remis en état du matériel qu'on nous avait donné pour pouvoir les exploiter après sur des temps d'animation ou sur des concerts. On lave les véhicules. Voilà, on en profite pour remettre tout au propre pour accueillir le public au mieux à la rentrée. Tout l'été, le cinéma est ouvert. Nous vous attendons tous. On va faire en sorte que la programmation soit adaptée à vos souhaits. Toute mon équipe est là pour mettre en œuvre une programmation pour que les gens soient satisfaits. Donc n'hésitez pas, revenez nous voir, nous vous accueillons, on a mis un protocole sanitaire en place, n'ayez aucune crainte. On est aussi contraint à deux séances par jour, de sorte à pouvoir aérer, nettoyer la salle. La programmation elle est restreinte du fait du confinement, mais la distribution a dû se remettre en place. Certains films ont été décalés de plusieurs mois, voire d'un an. D'autres sont passés à la trappe. On a favorisé les entrées en baissant le prix d'entrée à 4 € pour tout le monde jusqu'à la fin juillet. D'accord. Donc c'est, on le doit à monsieur le maire et à son équipe. Donc on espère que les gens vont venir au cinéma, on les attend, on a tout fait. Vous souhaitez aussi peut-être passer un été sportif? Nos équipes sont allées découvrir les activités ludiques du territoire. Plongeons à la piscine de Verneuil et au Wake Park de Danville avec Flora. Les piscines dans le territoire, on a trois piscines, la baignade biologique de Rugle, la piscine de Breteuil couverte et la piscine de Verneuil découverte. Sur ces trois piscines, seule la piscine de Verneuil est ouverte cet été et on réouvre la piscine de Breteuil le 3 septembre.
On a eu un protocole à fournir, à faire valider. C'est désinfecté, pardon, 3 fois par jour. Voilà, les cabines, les douches, les sas, halls d'entrée, enfin voilà, toute la structure intérieure est désinfectée 3 fois par jour. Et le toboggan derrière nous est désinfecté 2 fois par jour, le midi et le soir. À la piscine de Verneuil, donc, vous avez diverses activités. Donc derrière nous, on a un bassin ludique avec une rivière, avec des jets, une banquette. On a un petit champignon pour la pâte aux joueurs. Et cette année, on a investi dans un beau toboggan gonflable de 6 mètres de haut. Voilà. Donc, c'est les activités proposées. Les cours de natation, donc ça c'est à voir avec les maîtres nageurs en direct. Maintenant, effectivement, il n'y a pas l'aquagym le soir. Voilà, on ferme la piscine à 19h. Ce qu'on peut souhaiter aux gens qui viennent nager, juste prendre du plaisir, du bon temps. Ne vous inquiétez pas. On est là pour assurer votre sécurité s'il s'agit de sécurité sanitaire. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun souci, aucun souci. Alors là vous êtes sur les étangs de Danville, qui sont des étangs artificiels, où il y a 2 étangs, un étang réservé à la pêche qui se trouve derrière nous, derrière les arbres, et un étang dédié aux activités nautiques. Donc voilà, sur la commune de Danville, Ménil-sur-Iton. Alors pour cet été, nous proposons du paddle, du pédalo et du canoë. Et sur réservation, on pourrait avoir du tir à l'arc ou de la course d'orientation. Alors à cause du virus, toutes les activités restent possibles. C'est simplement le protocole sanitaire qui change, où on doit désinfecter gilets, pagaies, assises de pédalo, assises de canoë, etc. Mais il n'y a aucun souci sur le sujet. Nous sommes ouverts du 15 juin au 30 août, voilà, tous les après-midi de 14h à 19h30. Moi c'est Raphaël, je suis le moniteur de Danville Wake Park. Alors on fait du ski nautique, wakeboard, bouée tractée et wake skate. Donc le ski nautique c'est assez simple, c'est comme le ski de montagne, mais on le fait sur l'eau avec la traction du câble. Après le wakeboard, ça ressemble à un snowboard pour ceux qui connaissent. Et pareil, encore une fois c'est sur l'eau. Donc on peut faire soit juste se laisser glisser, soit faire tout un tas d'acrobaties. On a également le wake skate qui est la même discipline que le skateboard sur la terre, sauf que là on se sert de roulette à la place de l'eau, enfin de l'eau à la place de roulette. Donc du coup on peut faire exactement les mêmes figures, de la même manière. Et après la bouée, vous allez avoir une démonstration tout à l'heure. Vas-y. T'es sûr que tu veux pas t'accrocher au poignet de devant? D'accord. Alors, tu t'accroches au poignet de devant ou pas? Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de venir? Tout simplement venir profiter d'un bon moment entre amis. On a testé pour vous. Et c'est franchement bien. Après ce moment à la piscine, une nouvelle marquante. L'ouverture d'un nouveau parc d'attractions à faire en famille, annoncé par Madame Levrel. Alors, l'ex-Bois des Aigles, qui devient le domaine de la forêt enchantée, qui rouvre en fait son parc samedi 11 juillet pour tout l'été et plus. Donc sur un nouveau concept, sans oiseaux, mais un parc pour la famille, pour s'amuser, avec un certain nombre d'activités, des avions à pédales, des kartings, des structures gonflables, et j'en passe. Et puis une partie, le village de la famille tout en bois. C'est un village reconstitué, l'ancienne boulangerie, l'ancienne poste, l'ancienne mairie, avec des personnages que les parents et les enfants pourront articuler eux-mêmes pour faire vivre ces anciens métiers. Voilà, donc à Ballines, à la sortie de Verneuil-sur-Indre. Vous pouvez aussi partir à l'aventure dans les rues de Verneuil. Grâce à l'application Geocaching, participez aux plus grandes chasses au trésor du monde. Notre reporter Amadeo a testé pour vous. Le principe de géocaching, c'est des balises qui sont cachées un peu partout. Alors, je crois même que c'est mondial, donc il y en a partout en France, mais aussi dans le monde. Et du coup, à travers une application, on peut retrouver des balises qui nous amènent à des cachettes secrètes. Alors, il y a des balises qui sont gratuites, donc tout le monde peut y accéder à partir du moment où il télécharge l'application. Et par contre, il y a des balises aussi un peu plus professionnelles, donc qui sont payantes. Ça fait partie d'un des outils importants. On a parlé du site internet, on a parlé de Facebook, de la ville, de l'intercommunalité, de l'office du tourisme. Tout ce qui peut faire venir les touristes à Verneuil, c'est positif. Mais grâce au numérique, on va pouvoir
découvrir encore mieux Verneuil et surtout faire connaître Verneuil à l'extérieur. Parce que ça fait venir les touristes. Alors pourquoi c'est important de faire venir les touristes ? Premièrement parce que ça, ils découvrent une ville, une très jolie ville quand même. Donc ça fait vivre la ville de Verneuil. C'est ça qui est sympa, c'est que du coup, ça fait bouger. C'est-à-dire que les balises sont amenées un peu partout. Notamment là, on a été vers Pulé, vers la forêt de Breteuil. Ça nous a fait découvrir la voie verte, donc qui est excellente pour faire du vélo en toute sécurité. Et ça amène du coup effectivement à la forêt proche de Center Park, qui est quand même un lieu naturel, boisé, qui est très agréable. Donc du coup, à travers le géocaching, ça permet de découvrir des endroits proches de chez soi, qu'on n'a pas forcément en connaissance. Et ça, c'est un outil qui, d'après ce que j'ai compris, mais que je ne connais pas bien, qui est très performant. Les projets numériques par la suite, eh ben ça, en fait, on va y réfléchir. Déjà, au niveau du numérique, on va, dans un premier temps, assez rapidement, j'espère, installer une borne Wi-Fi à la médiathèque. On va encore développer notre site Internet et notre page Facebook. Et puis, effectivement, toujours en lien avec l'Office de tourisme, toujours en lien aussi avec le Center Parks pour faire venir des touristes, tous ces liens, grâce au numérique, on va pouvoir coordonner tous les acteurs qui sont à Verneuil et autour de Verneuil et qui vont faire venir des touristes. Pour cela, nous accueillons M. Abadi, responsable du Centre social de Verneuil. Bonjour. Bonjour, Monsieur Abadi. Donc, vous êtes le responsable de la MJC de Verneuil et on a des questions à vous poser. Très bien, je vous écoute. Donc, la première, comment voyez-vous ce début d'été avec les jeunes de la MJC ? Eh bien, formidablement bien. Alors, avant de vous répondre, moi, je voudrais déjà remercier l'équipe jeunesse, Soline, Violette et Aymen, qui ont fait un travail formidable pour préparer cet été avec les jeunes. Et donc, pour répondre à votre question, formidablement bien parce que le programme qui est ici, qu'on peut trouver sur le site internet de la MJC, propose plein de choses. Je sais pas, peut-être... Très bien, on va passer à la seconde. Quelles activités proposez-vous ? Ouais. Eh bien, plein d'activités. Alors, d'abord, des sorties. Aujourd'hui, il y avait par exemple une sortie à vélo, mais il y a aussi des sorties sur les bases de loisirs de Bénane et de Brionne. Il y a aussi des soirées. Un peu d'activités aussi sportives, des activités culturelles, enfin tout un tas de choses que l'équipe jeunesse a trouvé et a concocté avec plaisir pour les jeunes du territoire. D'accord. Et donc, pour participer à ça, comment les jeunes peuvent vous contacter et participer ? Alors, de différentes manières, en se rendant directement au centre social, à la MJC, en appelant aussi au 02 32 37 58 14, ou en allant sur le site de la MJC, ou en prenant directement contact sur la page Facebook Jeunesse, Secteur Jeunesse MJC. D'accord. Et donc, dernière question, quelles sont les précautions sanitaires mises en place au centre social ? Alors, il y a un protocole qui a été travaillé par l'équipe, alors que tout le monde connaît maintenant, qui sont un peu classiques. D'abord, quand on arrive dans la structure, on se désinfecte les mains, donc soit avec du gel hydroalcoolique, soit en allant se laver les mains avec de l'eau et du savon. Ensuite, il y a le port du masque qui est obligatoire pendant toutes les activités. Et puis, il y a évidemment le respect des gestes barrières. Hein. On essaye autant que faire se peut de garder une distance au minimum d'un mètre entre ses copains et copines. D'accord. Et on vous remercie. Merci. Je vous en prie, bonnes vacances. À vous aussi. Merci. Merci. Pour conclure cette émission, nous vous souhaitons un bon été à tous. Profitez, faites attention à vous et de bonnes vacances. Nous vous quittons sur un petit message du maire. Aujourd'hui, le virus, dans notre territoire, il est là. Il ne fait pas de gros dégâts, on n'a pas de malades graves, mais il est présent. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Alors, c'est quoi attention, hein ? On ne va pas reparler de tous les gestes, parce que je pense que vous devez les connaître. C'est avant tout le masque, c'est être à un mètre de distance, et c'est se laver fréquemment les mains. Alors, on a la solution qu'on appelle hydroalcoolique, mais avec le savon, c'est très bien. Voilà. Et ça, il faut le faire au maximum. Parce que c'est vrai que ce virus est un virus dangereux. Bonne vacances.